Amma Meliani est né en 1950. Il fait ses classes à l'école d'art dramatique du Théâtre National d'Alger. Réalisateur de films, metteur en scène, auteur de romans, de scénarios et d'une vingtaine de pièces de théâtre, dont certaines ont obtenu des prix. Arrivé en France en 1974, son parcours passe par de nombreux théâtres et beaucoup d'écritures. Depuis 1980, il poursuit une démarche poétique et théâtrale auprès des jeunes, en France et à l'étranger. L'écriture de Amma Meliani parle du monde d'aujourd'hui, parle d'un monde souvent intolérable, parle de la cruauté de la vie. Il ne prend absolument pas de méthode d'écriture très proche du réel. Son écriture est toujours portée par le lyrisme. Amma a fondamentalement une écriture poétique, et son rapport avec le réel d'aujourd'hui est un rapport de poète. Il a évidemment derrière lui la figure majeure de Kateb Yassine. Vous serez peut-être touché par la façon dont il mène, il conduit ses métaphores à travers son écriture comme Kateb le faisait. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de le rencontrer afin qu'il nous présente son livre « Le lait du père » aux éditions Marsa. Le thème central est la manipulation, c'est-à-dire comment on arrive à créer des troubles, à créer des guerres fratricides et à manipuler des gens, ce qu'on appelle aujourd'hui terroristes. Et donc ça, c'est et à travers cette articulation de la manipulation, il y a une histoire d'amour passionnelle, intense, et qui donne une force incroyable au texte, bien que c'est un théâtre politique, un théâtre engagé. La rage des amants, c'est aussi une histoire d'amour qui parle d'une partie de l'état du monde. La rage des amants parle particulièrement de la Tchétchénie, de la Palestine et une période aussi de l'Arménie. Donc tout est articulé ensemble et c'est un constat sur les méfaits à la fois de la CIA, du Mossad, aujourd'hui à travers le monde. Amma est un auteur, un metteur en scène, mais aussi un pédagogue. Dans tous les lieux où il s'est trouvé, il a mené un enseignement de l'art dramatique et formé des animateurs de quartier afin de développer l'insertion sociale des jeunes. Et l'avenir de la banlieue, de la jeunesse de la banlieue est l'avenir le plus dur, parce que c'est une jeunesse qui appartient à la communauté nationale française et qui malheureusement ne profite pas de son statut de jeunesse française parce qu'elle est exclue. Et donc, je suis optimiste quand même, parce que cette jeunesse, elle a des talents, elle est belle, elle a vraiment des aspirations qui sont tout à fait simples et à la fois humaines, et elle doit rêver comme toutes les jeunesses du monde. Et j'espère que peut-être en 2012, puisqu'il va y avoir les élections, cette jeunesse, elle va se réveiller et elle va exister et elle va aussi... comprendre que son avenir est entre ses mains et pas du tout entre des personnes qui se trouvent dans des partis ou ailleurs. C'est la jeunesse qui doit à la fois résister et qui doit réagir face à l'injustice, face à l'exclusion que nous vivons tous les jours, que nous voyons tous les jours. Et on ne peut pas rester résigné comme ça. काटू तोरी चोंच पर